Je disais, je ne savais pas par où commencer, je disais peut-être par la fin, par cette dernière mention que je découvre. J'ai déjà vu le film avant sa finition sur un petit écran, je le redécouvre là sur le grand écran, des traducteurs à la fin. Car effectivement, pour faire un film sur la traduction, il faut aussi des traducteurs. Et j'y reconnaissais les noms de Eisenschitz, de Helen Chatelain, de gens qui sont des grands traducteurs dans le cinéma et eux-mêmes des gens mêlés au cinéma. Et donc, pour, quand on fait un film sur la traduction, il faut aussi avoir les traducteurs pour traduire les traducteurs. C'est une chaîne infinie. Voilà, c'est juste une première remarque. Ensuite, bon, c'est le troisième film de Norita Vive sur la langue. Je me souviens, moi, de mon émotion à la découverte du premier. Mais ça fallait sa fin, d'une langue à l'autre. Pour ceux qui ne l'ont pas vu en deux mots, c'était donc comment, venant d'autres langues, on se retrouvait à travers aussi l'immigration et l'histoire dans l'hébreu, alors que l'on a été élevé dans le yiddish, dans le russe, dans le polonais, dans l'allemand, etc. etc. Était venu après un second film, Langue parlée, langue sacrée, ou langue sacrée, langue sacrée, langue parlée, voilà, et comment quand on est écrit dans l'hébreu, on est entouré par la langue sacrée de la Bible, et comment est-ce qu'on doit inventer en même temps une langue parlée donc, qui existe dans l'Israël moderne, et puis la langue de la littérature qui est entre les deux. Et puis donc ce troisième film qui ramène aussi bien sûr à l'hébreu ou de l'hébreu vers toutes les autres langues, et à chaque fois, moi, je suis très ému par ces films, alors que ce sont des films, on pourrait dire, d'intellectuels, qui parlent d'auteurs que l'on a très peu lus, dont on connaît vaguement le nom, mais qui, à chaque fois, on parle avec une assurance, ces traducteurs, quand ils parlent de des poètes hébreux qu'ils traduisent, ils en parlent comme d'êtres qui étaient essentiels pour leur vie, bon, à chaque fois. Et cette espèce de calme assurance avec laquelle, finalement, Norit nous transporte dans ces trois films, dans le monde intérieur de gens qui ont vécu des existences à distance, soit qu'ils aient physiquement bougé d'un endroit à l'autre du monde, soit qu'ils soient passés de leur propre langue à une autre langue qui les intéressait. Ce calme voyage, chez moi, enfin, m'émeut toujours très fort par, comment dire, l'évidence de notre désir d'intelligence comme spectateur qu'on a, et en même temps par l'émotion d'une parole qui a l'air, pour une fois, à la fois incarnée, puisqu'il y a un corps, on pourrait dire qu'il y a juste des mots, et puis il y a un corps, mais en même temps assurée, stable, réconciliée. Voilà. Et je pense que cette réconciliation-là, c'est quelque chose que nous, comme spectateurs, en tout cas pour moi, mais je crois que c'est partagé par beaucoup d'autres aussi, que nous cherchons dans le documentaire aujourd'hui, voilà, cette confrontation. C'est juste une remarque, hein. Enfin, une pensée. Ça. Et puis la troisième remarque que je vais faire, c'est concernant le genre même de la personne qui parle, qui est apparu finalement assez tard dans l'histoire du cinéma. C'est les premières interviews, ce qu'on appelle maintenant des interviews, l'entrevue, enfin, qui apparaît dans dans un film de Grierson au début des années 30 sur les questions de l'habitat et du paupérisme, dans lesquels on va vers quelqu'un pour lui demander de parler. Voilà. C'est un genre dont la télévision s'est gavée, et c'est un genre que la télévision a définitivement souillé, on pourrait dire, voilà, par la brutalité,
avec laquelle justement on tend des micros impatients à tout un chacun, par la façon dont on coupe et découpe et remonte et recompose les paroles des uns et des autres, en prétendant permettre leur écoute. Et là, moi, ce qui me touche toujours dans le film, à le revoir encore, et c'est la même chose dans les deux précédents films, c'est cette espèce de simplicité, de la frontalité, de la beauté de l'image. Ça, c'est pas pour rien que Norit est aussi une très grande directrice photo, et beaucoup de cinéastes lui doivent beaucoup, que nous ne nommerons pas. Non seulement, je disais, la beauté de l'image et du cadre, mais simplement l'attention mise à créer les conditions d'une vraie parole, ce qui suppose à la fois une écoute, un questionnement, des interrogations, et puis ensuite cette capacité de les coudre ensemble dans la plus grande apparente simplicité. Voilà, c'est les trois remarques que je voulais faire pour commencer. Mais, et avant que, éventuellement, quelqu'un de la salle fasse une remarque, je voulais quand même questionner Norit sur ce film-là, sur cette figure de style qu'elle a utilisée pour justement introduire ces différents personnages. Il y a d'autres figures dans les deux précédents films, mais celle-là, qui est ce changement d'ouverture pour en fait surexposer l'extérieur et permettre de percevoir l'intérieur, hein, cette figure à travers les fenêtres. C'est un point tout à fait technique, mais je pense que derrière cette question technique, il y a l'âme du film. Je me trompe ? L'âme du film, c'est... Oui. Mais je crois que là, j'ai joué, c'est-à-dire qu'en fait, dans tous les films, je jouais avec les mêmes éléments. Hein, sauf qu'il prend chaque fois une autre, c'est-à-dire il ne vient pas de la même manière. Il y a toujours les gens dans un cadre de même taille, après ils sont toujours debout. Mais ils ne sont pas debout au même endroit, ils ne sont pas dans un cadre. Le premier, je décide de faire qu'ils ne soient pas dans leur lieu de travail, donc dans l'appartement, mais pas dans les lieux de travail à part. J'ai triché avec les dernières, je ne sais pas si c'est parce que je ne trouvais pas un autre endroit. Après, le deuxième, j'ai décidé de trouver un mur blanc derrière eux, dans leur appartement. J'aurais pu les amener à un studio, mais non, c'était chez eux. Mais ils étaient debout dans leur lieu de travail. Et les dernières, du coup, j'ai assumé qu'ils soient dans... C'est les traducteurs qui sont dans leur lieu de travail, mais j'ai décidé de filmer la fenêtre en face d'eux. C'est-à-dire que c'est les traducteurs à l'intérieur, et je filmais la fenêtre et toutes les villes qu'on voit sont filmées, c'est une partie prise à travers cette fenêtre qui est en face d'eux quand ils travaillent, hein, c'est une partie prise qui était comme si, évidemment, on peut faire tout ce qu'on sait sur la fenêtre, mais c'est quand même l'extérieur, l'autre monde, l'autre de l'autre côté de la fenêtre, hein. Donc et j'ai décidé, je savais que j'étais dans 10 villes différentes, je savais pas ce que je veux forcément voir. Parfois je les ai vues avant, hein, mais je savais pas, et j'ai décidé que voilà, il y aura que la fenêtre. Et dans cette, bon, après justement, bon, cette idée que ça s'ouvre, c'est un cadre dans un cadre au début, c'est-à-dire que la fenêtre fait le tableau et on voit pas la personne, et donc il y a la ville que je venais de filmer dans un mouvement, donc ça accorde, et après, bon, je ouvre pour découvrir la personne. C'est comme si c'est à l'envers, comme si on mettait le projecteur sur lui et l'extérieur devient complètement disparu. Hein, pour ce film-là, je me suis donné plein de contraintes. Hein, il y a 10 langues différentes, on voit que la fenêtre, l'hébreu, c'est-à-dire c'est qui, le choix a été fait par rapport à l'original, hein, c'est-à-dire que je choisis d'abord les auteurs que je voudrais qu'on parle de ces auteurs-là, et il vient en hébreu, et il vient dans l'ordre chronologique, et après je cherchais dans le monde les traducteurs, donc, et en décidant qu'ils vont tous parler chacun une autre langue, donc vous voyez le jeu que ça fait, hein. Devant de tels essais, on se dit qu'il y a des milliers de films à faire encore,
avec ce niveau-là d'ambition, d'intelligence, et que j'ai le sentiment que ces essais documentaires qui apparaissent depuis assez peu d'années, hein, c'est relativement récent dans l'histoire du cinéma, ne sont qu'à leur début, et que donc ce genre de film, c'est aussi pourquoi je pense que ces trois films de Nourrit sont des films importants, ces trois plus deux, puisqu'on ajoutera deux autres films dans le DVD, parce que ce sont des films qui ouvrent aussi de nouvelles voies ou de nouveaux champs pour des réalisateurs qui vont commencer à faire demain, après-demain, dans 5 ans, dans 10 ans, des films documentaires, toujours et encore. Moi, je suis strictement monogame, monogamique documentaire, mais quand on voit ce genre de film, après les documentaires humains, on pourrait dire, qu'on a vu, je pense que on ne peut qu'être touché par les premiers balbutiements du genre documentaire, en fait. Et la remarque que je faisais, c'est que finalement le XXe siècle a été le cinéma a été colonisé, on pourrait dire, par la fiction, et que je pensais que le XXIe siècle serait très évidemment, mais là je prêche déjà, bien évidemment documentaire. Je crois qu'on le voit aussi dans l'art plastique maintenant. C'est-à-dire que c'est vers là que ça va. Hein. Non, dans l'art plastique, on se permet des réflexions, de la pensée. Je ne sais pas quoi me challenge de faire un film où je voulais essayer de filmer la pensée. Je ne sais pas si c'est possible. Voilà, c'était le challenge. Ouais, j'avais osé le mauvais jeu de mots, que ces objets pensants devaient être des objets dansants. Mais je pense que précisément, pour nous spectateurs qui connaissons bien peu de ces questions, je n'ai pas lu non plus les auteurs en question, je veux bien croire qu'ils sont des grands auteurs, mais pour que je puisse, moi, spectateur, rentrer dans le monde de ces traducteurs, essayer d'avoir une idée des questions avec lesquelles ils se débattent, pour mettre en branle une réflexion propre et autonome, il faut que le film lui-même adopte une langue, c'est-à-dire une prosodie, un rythme, une écriture, un temps. Et je pense que c'est là que ces trois films sur la langue ont inventé quelque chose qui a l'air d'être, c'est l'œuvre de Christophe Colomb, hein, des gens qui parlent, trait, point, dans la forme la plus simple qui soit, et qui en même temps produit une danse. Voilà.